Louez toi l'Éternel. Alléluia. Il a sauvé Daniel. Alléluia. Louez toi l'Éternel. Alléluia. Il a sauvé mes âmes. Alléluia. Louez toi l'Éternel. Alléluia. Il a sauvé Shadrach. Alléluia. Louez soit l'Éternel. 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 May the Lord bless you. Amen. I greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Je vous salue tous dans le nom précédent du Seigneur Jésus Christ. I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ. Je vous salue tous au nom de Jésus Christ. We are glad to be in the presence of the Lord. Nous sommes reconnaissants d'être dans la maison de Dieu. We are glad. Nous sommes dans la joie. That to be in the presence of the Lord. D'être dans la maison de Dieu. We may stand up. Nous pouvons nous mettre debout. In order to honor the reading of the word of God. Pour honorer la lecture de la parole de Dieu. We are going to read in Matthew chapter 18. Nous allons lire dans Matthieu 18. From the 18th verse. À partir du verset 18. Matthew chapter 18. Matthieu 18. From the 18th verse. À partir du verset 18. We read in the name of the Lord Jesus Christ. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus Christ. I tell you the truth. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Amen. Je vous l'ai dit en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Verse 19. Le verset 19. Again, I tell you that if you two of you on earth agree about anything you ask for, it will be given for you by my Father in heaven. Amen. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Now listen. Écoutez. For where two or three come together in my name, there am I with them. Amen. Amen. Écoutez, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. We are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous sommes à 6. The Bible says. La Bible dit. Where two or three come together in my name, I am among them. Amen. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. He's here. Il est ici. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia.
soit pour Jésus. Jésus, gloire, gloire, gloire. Pray together. Prions tous ensemble. Seigneur, voici un peu de votre fils. Je suis venu me reposer sur Seigneur pour avoir remis les pas de la présence. Nous sommes réunis ici au nom de Jésus. Je crois en ta présence sur un trône de Dieu. Seigneur, il est écrit que tu es terrible dans l'assemblée des saints. Seigneur, manifeste-toi. Puisse être avec nous, je ne peux juste pas le faire. Pardonne mes iniquités. Pardonne mes offenses. Pardonne mes mauvaises pensées, Seigneur. Permets, ô Dieu tout-puissant, que je sois capable, Seigneur, d'être attentif à ta parole. Parle-moi de ta part. Saisis-moi par ta main. Ose chaque chose pour la gloire et le nom de mon Seigneur. Bénis-moi, Frère. La bénédiction de l'assistance. Bénis les frères qui sont venus. Visualisez leur occupation, Seigneur. Assistez-leur. Merci de tout cœur, Seigneur. À quoi la voix, à quoi la voix, Seigneur. Je t'ai appelé jusqu'à la fin. Pour le nom de Jésus. N'hésitez plus la belle foi. Ne t'en pas vaincu. Que tu nous aies de nous. Je m'en ai appris. Agis, guéris, délivre, console et fais de toutes choses. Merci. Voilà. Kind Heavenly Father, merveilleux Seigneur, we thank you for your presence. Nous te remercions pour ta présence. As it's written, comme il est écrit, where two or three are gathered in my name, I'm among them. Là que deux ou trois sont réunis en mon nom, we are not gathered in the name of a prophet. Nous ne sommes pas réunis au nom d'un prophète. We are not gathered in the name of a pastor. Nous ne sommes pas réunis au nom d'un pasteur. We are gathered in the name of the Lord Jesus Christ. Nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus Christ. We believe in your presence. Nous croyons dans ta présence. And because you're among us, parce que tu es au milieu de nous, it's written again somewhere in the Bible. Il est écrit encore quelque part dans la Bible. That you are one, you do wonders among saints. Tu fais des merveilles au milieu des saints. May you manifest yourself among us. Manifeste-toi toi seul au milieu de nous. Bless. Bénis. Deliver. Délivre. Comfort. Réconfort. And correct us by your word. Corrige-nous par ta parole. Thank you for your death. Merci pour ta mort. Because in your death we have eternal life. Parce que dans ta mort nous avons la vie. Thank you for your resurrection. Merci pour ta résurrection. Through your resurrection, par ta résurrection, we are made more than overcomers. Nous sommes faits plus que vainqueurs. Thank you for everything. Merci pour toute chose. May you help us now. We're about to sing. Aide-nous quand nous voulons. Receive our praise. Reçois nos louanges. And help us, Lord. Et aide-nous to pay attention to the word that will be proclaimed. Attirer attention à la parole qui sera and be with your servant. Et sois avec ton serviteur. Begin and end with us. Commence avec nous. In the precious name. Dans le nom précieux. This marvelous name. Le nom merveilleux. The name given to men for their salvation. Le nom donné aux hommes. The name placed above all other names. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. The glorious name. Le nom glorieux. Of our Lord. Le notre and Seigneur. And Savior. Jesus Christ. Amen. Amen. May the Lord bless you. Que Dieu vous bénisse. Psalm 150.
Psaume 150. Verse 1, first part. Le verset 1, première partie. Praise the Lord. Louez l'Éternel. 6. Le verset 6. Let everything that has breath praise the Lord. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Praise the Lord. Louez l'Éternel. We are going to praise the Lord. Nous allons louer l'Éternel. Thank you.
Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Je vous salue tous. I greet you all. Ce soir, this au nom du evening, Seigneur Jésus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Je salue aussi les frères et sœurs. I greet also brothers and sisters qui nous suivent en ligne au nom connected du online Jésus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. We're grateful to the Lord pour nous avoir accordé cette journée. For he has given us this day. Et jusqu'à ce soir. Up until this evening. C'est une journée. It's a day. Chaud. It's really hot. Et je pense que Nathan devrait penser maintenant à mettre les AC. Got the AC on the window. On doit chercher ça en ligne. We have to look for it online. Parce qu'il fait très chaud. Comment ça fait très chaud? It's really hot. Really hot. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Je vous apporte les salutations. I bring you greetings. Du frère Seka. Of brother Seka. Qui est en Côte d'Ivoire. Who is in. En Côte d'Ivoire. Ivory Coast. Ivory Coast. Ivory Coast. Et le frère Elie de Virginia. And brother Elijah from Virginia. Il m'a demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. He asked me to greet you all in the name of Jesus Christ. Et aussi le frère Jacques Chinyoka. And brother James Chinyoka. J'ai parlé avec lui au courant de la semaine. I spoke with him during the week. Il m'a demandé de vous saluer tous au nom de Jésus-Christ. He asked me to greet you all in the name of the Lord Jesus Christ. Sans plus tarder, without delaying, nous allons nous mettre debout. We may stand up. Nous allons lire. We are going to read notre texte habituel. Habitual text. Dans 1 Timothée. In 1 Timothy. 1 Timothée. 1 Timothy. Le chapitre 3. The third chapter, le verset 14, from the 14th verse and the up to the 15th verse. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Although I hope to come to you soon, I'm writing you these instructions. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. La colonne est l'appui de la vérité. Amen. So that if I'm delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. Éternel Dieu, notre Père. God, our Father. Nous voici devant ta face. Here we are in your presence. Nous sommes venus pour t'entendre, toi, Dieu, nous parler. We came in order to listen to you, God, talk to us. Parle-nous ce soir. Speak with us. Assiste-nous. Evening and help us. Assiste-moi qui va parler à tes enfants. Help as I will talk to your children. Et bénis chaque oreille qui va entendre. Bless every ear that will listen. Merci pour toutes choses. Thank you for everything. Nous croyons que toi Dieu tu vas le faire. Believe that you God you did. Car nous demandons ceci. For we ask this. Au nom du Seigneur Jésus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Nous avons commencé notre sujet. We begin our topic. Qui respecter la parole de Dieu et l'église du Dieu vivant. Which is respecting the word of God and the church of the living God. Nous avons parlé du respect de la parole de Dieu. We talked about the respect of the word of God. Le week-end passé. Last weekend. Maintenant, nous parlons du respect de l'église du Dieu vivant. About the respect of the church of the living God. Nous avons défini. We defined ce que c'est l'église. What the church is. Nous avons fait l'introduction. We introduced it. La Bible. The Bible. Nous dit. Tells us. Le verset 15. Verse 15. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu.
If I'm delayed, you know how people ought to conduct themselves in God's household. Et il dit dans la maison de Dieu. In God's household. Et donne la définition de la maison de Dieu. And he gives the definition of the house of the Lord. Qui est l'église du Dieu vivant? Which is the church of the living God. Cette église. That church. Est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. The pillar and foundation of the truth. L'église. The church. C'est ça la colonne et l'appui de la vérité. Is the pillar and foundation of the truth. Dans une église, il ne doit pas y avoir le mensonge. In a church, there is no place for lies. Et l'église. And the church. Selon la traduction hébraïque. According to the Hebraic translation. Ça veut dire. Means. Sortir de. Coming out of. Ils disent ecclesia. They call it ecclesia. Donc sortir de. Coming from. Out of from. C'est ça la définition simple de l'église. That is the simple definition of the church. Et cette église ici, and this church dont nous parlons, we're talking about, ce ne sont pas les hommes. They are not men. Ce ne sont pas les bâtiments. They are not buildings. Mais. But. Cette église. This church. Ce sont les hommes. Are men. Et les femmes. And women. Appelés à sortir. That were called to come out. L'église. The church. N'est pas un bâtiment. Isn't a building. L'église. The church. Ce sont les hommes. Et les femmes appelées à sortir. The church is made up of men and women called to come out. Okay. Ce sont les hommes et femmes appelées à sortir. Yeah, men and women called to come out. Sortir d'où? Come out where? From where? Pour aller où? And go where? Oh, moi je suis l'église de Dieu vivant. Oh, I'm the church of the living God. Okay. All right. On ne refuse pas. We don't refuse that. Parce que tu es un homme. Because you're a man. Parce que tu es une femme. You're a woman. On ne refuse pas. We don't refuse that. Moi, je suis l'église de Dieu. I'm the church of God. On s'appuie sur l'écriture qui dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? We support the scripture that says, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Mais le temple du Saint-Esprit ivre. But the temple of the Holy Spirit drunk. Le temple du Saint-Esprit adultère. The temple of the Holy Spirit an adulterer. Le temple du Saint-Esprit. The temple of the Holy menteur. Spirit. Menteur. A liar. Le temple du Saint-Esprit. The temple of the Holy Spirit. Critiqueur. Criticizer. Non. Non. Ce n'est pas ça. That's not it. L'église. The church. Est formé, is made of des hommes, men. L'église, ce sont des hommes. The church is made of men. Qui sont appelés à sortir. They are called to come out. Sortir de toutes les dénominations. To come out of all denominations. Quand on dit de sortir, and when they say to c'est come sortir out, sortir de toutes les dénominations. To come out of all denominations. Oh, nous croyons comme ceci. We believe Il faut believe sortir de cela. We have to come out of that. Oh, nous, notre, on fait seulement ce que notre pasteur. We only do what our pasteur nous faisons seulement ce que notre pasteur nous dit. Il faut sortir de là. You have to come out of there. Tu peux dire je pars à l'église. Say I go to church. Tu ne pars pas à l'église. You don't go to church. Tu es en train d'aller dans une maison d'une personne. You're going to somebody's house. Mais si tu pars à l'église. But if you go to church. L'église. The church et la colonne is the pillar de la vérité of the truth. La colonne de la et la pierre de la vérité and foundation of the truth. Mais là vous allez. But where are you going? Le mensonge, lies. On entre dans l'église. On chante pendant 3 heures. We sing for 3 hours. Mais 2 minutes, 2 minutes.
On n'ouvre même pas la Bible. We don't even open the Bible. On commence, le prédicateur passe. The preacher goes beyond the pulpit. Il commence à parler. Start talking. Vous savez, quand j'ai voyagé when I traveled in Europe, j'ai prié pour les gens. I prayed for people. Et les gens people got healed. J'ai vu des gens. I saw people. Quand je suis parti en Afrique, when I went in Africa, ils ont eu ceci. They ils had ont this. Cela. They received this and that. Ce n'est pas ça. That is not it. Mais c'est comme au cinéma. It's like in a at a movie theater. Quand les gens partent au cinéma, when people go il y a les acteurs. The movie theater, there is actors. Ils sont là devant. There are actors in front of them. Ils font leur blague. Acting. Et les gens rigolent. And people laugh. Et après ils sortent. And after they come et out. Quand vous allez leur demander. And when you ask them. Ce monsieur là. That sir. Il nous a dit seulement quelque chose. Il nous a fait vraiment rire. He was really hilarious. And that is it. Et c'est ça l'église? Is that the church? Non. No. L'église quand nous venons. The church when we come to church. En sortant. When we come out. Je me dis. I tell to myself. Mon Dieu m'a parlé. My God spoke to me. Amen. Il m'a parlé. He talked to me. Je partais à droite. I was going to the right. Il m'a dit de tourner ma voie pour aller à gauche. My way to go to the left. Amen. C'est ça l'église. That is the church. Pas du théâtre. Not a theater. Pas du théâtre. Not theater. Oh, nous sommes une église. Oh, we are a church. L'église. The church. Ce sont les hommes. Amen. Quand nous nous réunissons ici. When we gather here. Nous devons avoir le même esprit. We must have the same spirit. Amen. Nous ne devons pas avoir des esprits. We don't have different. We don't have to have different spirits. Moi, j'ai l'esprit. Branham, c'est Dieu. I have the spirit. Branham is God. Celui-là a l'esprit. Kadima, moi, je dis Dieu. Kadima, God. L'autre dit. The other Kimbang. One. Kimbang. L'autre dit. The other Mahomet. One. Mahomet. Et nous nous réunissons. And we gather. Ça c'est l'église. Is that a church? Non. No. L'église. The church. Nous tous. All of us. Nous nous réunissons. We gather. Autour de la parole de Dieu. Around the word of God. Amen. Nous avons défini. We defined la parole de that Dieu. That the word of God. Dieu lui-même sous God himself as scriptures. Nous nous réunissons. We gather. Autour de notre Dieu. Around our God. Autour de notre Père. Around our Father. Il nous parle. He talks to us. That is the church. Mais quand nous allons avec beaucoup de théâtre là. But if we go with many actings, that's not the church. Et Dieu. And God. Ça c'est Paul qui disait à Timothée. This is Paul telling Timothy. Si j'ai tardé. If I'm delayed. Tu sauras comment il faut se conduire dans la maison. Des dieux. You will know how people ought to conduct themselves in God's household. La maison de Dieu. God's household. La maison de Dieu, c'est pas la maison de Dieu. God's household is no. a household la maison of de Dieu. The household of God, there is order in it. C'est une maison d'ordre. It's a household of order. C'est tout le monde. If everybody ici devant, comes here in front of nous allons prêcher. In front, we are going to preach. Ou soit je suis en train de prêcher. Or I'm preaching. Quelqu'un entend de chanter là. Someone singing. C'est le désordre. That's disorder. Non. No. La maison de Dieu ne peut pas être comme ça. The household of God cannot la be that way. La maison de Dieu, c'est the household maison of God, d'ordre. It's a household of order. Amen. Il faut, tu sauras comment il faut se conduire you dans la maison de Dieu. You know how to conduct in the household of God in order. Mais aujourd'hui, but today, les gens ne veulent pas sortir. People don't want to come out. Des dénominations. Of denominations. Tu demandes à quelqu'un. You ask someone. Es-tu chrétien? Are you a Christian? Non, je suis musulman. No, I'm a Muslim. Es-tu chrétien? Are non, you a Christian? Je suis catholique. No, I'm Catholic. Es-tu chrétien? Are you a Christian? Non, je suis luthérien. No, I'm Lutheran. Est-ce qu'on te demande que tu es luthérien? Are they asking you whether you're Lutheran? Luther. Qui croyait au Seigneur Jésus? Believed to the Lord Jesus Christ. Mais comment est-ce que vous allez dire? But I'm not going to say I'm no. Lutheran.
Luther lui-même croit. Luther himself believed. Es-tu chrétien? Are you a Christian? Non, je suis Branhamiste. No, I'm a Branhamist. Branham lui-même. Branham himself. Il croyait à Dieu. Believed in God. Pourquoi ne pas dire que je suis chrétien? Why don't you say I'm a Christian? Comme lui croyait. As moi aussi je crois. I believe as well. Les gens n'aiment pas sortir des dénominations. Don't want to come out of denominations. Les gens veulent rester dans leur dénomination. People want to stay in their denominations. In their small groups. Ils disent non, ça c'est notre groupe. This nous les ressortissants. We are from. Nous les ressortissants du Congo. We are from Congo. Nous les ressortissants du Lubumbashi. We are from Lubumbashi. Nous les ressortissants de tel. We are from such region. C'est pourquoi. That's why. Ici nous voyons. It's here we are. We see. Les églises avec des churches. Des gens. With des chaque pays. People from every country. Ça c'est l'église des Congolais. This is the church of Congolese. Ça c'est l'église des Cambodgiens. This is the church of. Ça c'est l'église des Cambodgiens. Cambodgien. Ça c'est l'église de Mexicains. This is the church of Mexicans. Ça c'est l'église des Haïtiens. This is the church of Haitians. Les gens créent des groupes comme ça. People create groups. Non. Non. Il faut sortir de ce groupe là. Come out of those groups and enter in Christ. Quitter de cette dénomination là. Come out of denominations. Pour entrer in dans order to enter in the church of God. Quand je quitte, j'étais musulman. I was a Muslim. J'étais Kimbangiste. I was Kimbangiste. Ou Methodist. Or Methodist. Presbyterian. Presbyterian. Je quitte de celles-là. I leave those groups. Je deviens chrétien. I become a Christian. Je deviens l'église. I become the church. Si je suis encore dans les choses là. If I'm still in those things. Oh, moi je suis Branhamiste. I'm Branhamist. Non. No. Quand tu dis que tu es Branhamist, tu es Branhamist, encore là-bas. You're still there. Tu n'es pas l'église. You're not a church. L'église ce sont des hommes. The church is made of people. Et pour sortir, and in order to come out, Dieu d'abord, God nous appelle à sortir, calls us to come out. Des dominations, of denominations, des favoritisme, of favoritism, des calomnies, of. Quand je parle de favoritisme, when I'm talking about favoritism, c'est moi je vais aider seulement tel genre de personnes. I will only help this kind of people. Ça, ce sont les miens. They are mine. Ce sont les miens. They are mine. Les autres là. Others. Ne sont pas miens. They are not mine. Je prends seulement les miens. Ça, I only take my that favoritism. Dieu nous dit. God tells us. Aimez-vous les uns les autres. Love each one another. L'amour. Love ne choisit pas. Doesn't choose. L'amour. Love n'a pas de favoritisme. Doesn't have favoritism. Oh, moi je vais choisir seulement. Oh, I'm going to choose only. Tu n'es pas encore sorti. You are not. Tu es encore là-bas. You're still there. Oh non, frère Nathan, tu oh, sais. Brother Nathan, you know. Nous dans notre coutume. In our custom. Quand nous voulons dormir, if we want to sleep, au lieu de prier, instead of praying, je me roule seulement par terre. I just roll on the ground. C'est fini. J'ai la protection. That is it. I'm protected. Ça c'est une coutume. That is custom. La Bible dit, the Bible says, les coutumes des hommes, people's customs ne sont que vanité. Are vanity. Amen. Il faut sortir de ces choses-là. I have to come out of those things. Oh, nous, chez nous, oh, il n'y a pas de chez nous. There is no at home. Chez nous, c'est ici. At home, it's here. Amen. C'est écrit où? Where is that written? Oh, chez nous. Oh, where are we from? No. No. Il faut sortir de ces choses-là. We will have to come out of those things. Et pour sortir, and in order to come out,
Dieu dans sa bonté. God in his goodness. Il peut pas seulement sortir comme ça. He can just leave you like that. Come out like that. Mais on sort par où? We come out. Where are we going? We come out of denomination. I come out of Pentecostals. I come out of Muslims. Qui a dit qu'il faut sortir? Said that we must come out. Et qui montre le chemin? And who shows the way? Dieu, God, dans son amour, in his love, il nous a envoyé un prophète. He sent us a prophet. Et ce prophète là, that prophet, c'est William Marion Branham. It's William Marion Branham. Il est venu avec un message. He came with a message. Ce n'est pas lui qui est le message. He is not the message. Il est venu avec un message. He came with a message. Amen. Et ce message-là. And that message, c'est le message de sortir. It's the message that calls us to come out. Amen. Qui nous appelle à sortir? It calls us to come out. Sortez du milieu de mon peuple. Come out from among them, my people. Ce message-là. This, that message. Dieu nous a envoyé un prophète. God sent a prophet to us. Ce n'était pas quelqu'un qui avait beaucoup étudié. It wasn't someone who studied a lot. Il n'avait même pas de high school diploma. Didn't even have the high school diploma. Je pense qu'il avait arrêté en quatrième. He stopped maybe in four primary grade four. Yeah. Il n'avait pas de high school diploma. He didn't have any high school diploma. Mais Dieu l'a utilisé. But God used him. Mais regardez-nous aujourd'hui. But look at us now. Avec les PhD. With PhDs. Oh, moi j'ai le PhD. I have PhD. Dans tel. In such field. Qui a suivi d'abord la prédication aujourd'hui? Listen the preaching today. Krefeld. Of Krefeld. La retransmission. There is the retransmission. Personne n'a suivi. Nobody. Moi j'ai suivi. I watched it. Le frère Frank. Brother Frank said. Il était en train de parler avec quelqu'un, un monsieur. He was talking to someone. Un théologien. A theologian. Il lui a dit. He told him. Moi, j'ai passé tout mon temps pour étudier la relation entre père et fils. I spent all my time to study the relationship between son and father. Tout mon temps, toute ma vie. All my life. Pour avoir le PhD. In order for me to get my PhD, I graduated. Dans la relation. In the relation. Pour connaître. To know. Qui est le père et qui est le who fils. The father même is, cette relation là. Who the son is. Voyez combien le monde est. Le monde ne connaît rien. You see how est aveuglé. Little the world knows. How they are blinded. Et le frère Frank lui a dit. And brother Frank told him. Tu as pris tout ton temps là. You took all that time. Mais quand est-ce que tu vas finir la Bible? When are you gonna get done with the Bible? D'abord tu prends seulement la relation. You take just the relation between the father and the son. Mais moi. But me. Je ne suis jamais allé à l'école pour ça. I've never went to school for that. Avec l'inspiration divine. With the divine je connais la Bible du début jusqu'à la fin. I know the Bible from the beginning till the end. Ce sont les dénominations. Those are denominations. Sans les dénominations. They are denominations. On n'a pas deux points. They give you two père, points. Fils. Father, son. Étudie. Study. Tu fais ce que PhD c'est. Depuis tu commences théologie de. Ça prend à peu près 8 ans. It takes about 8 years. Pour que tu finisses seulement. Tu as for you to finish. La relation entre père. Relationship between mais father and father and son, but us. Nous qui sommes sortis. But we who come out. C'est plus facile. We came. It's easy for us. Dieu s'est révélé à nous. God revealed himself to us. Nous connaissons qui est le père. We know who the father is. C'est la fonction qu'il a. It's the function that he has. Pour créer le monde. In order to create the world. Qui est le fils? Who, the son? La fonction. The function. Qu'il a fait pour that he had. In order to serve us. Nous connaissons ça. We know that.
C'est la grâce de Dieu. It's God's grace. Amen. Mais les gens étudient. But people study. Et à la fin, and at the end, on les donne c'est. They tell him, they give him 80%. 80% des réussites. Of success. On dit que tu as 80%. You have 80% of success. You succeeded with 80%. Vous savez dans la chose de Dieu. In God's realm, il n'y a pas de 80%. There is no 80%. Dans les choses de Dieu. In God's realm, c'est 100% ou 0%. It's either 100% or 0%. Il n'y a pas de 80. No 80%. Soit tu connais, soit tu ne connais pas. You either know or not. C'est tout. C'est comme ça les choses de Dieu. That is the with the things of God. Mais nous, bah oui. Tu dans cet âge. God in this age. Je vous enverrai so, Élie le prophète. I will send you Elijah the prophet. Dieu a envoyé un Élie. God sent an Elijah. Un homme avec un esprit d'Élie. A man with the spirit of Elijah. Pour nous faire sortir de là que nous étions. To make us come out from there we were. Pour nous ramener à la foi apostolique. Amen. In order to return us to the apostolic faith. Vous dites, oh, nous sortons des dénominations. Come out of denominations. Oui. Nous allons. Where are we going? On retourne à la foi apostolique. They return us to the apostolic faith. On croyait des choses. We used to believe things. On croyait dans notre coutume. In our customs. Maintenant. Now. Nous croyons. We believe. En un homme. In a man. Qui est le Seigneur Jésus. Who is the Lord Jesus Christ. Amen. Nous croyons seulement à cet homme-là. We believe only in nous that man. Nous croyons pas au prophète. We don't believe in a prophet. Le prophète est un instrument. The prophet is an instrument that God used. Moi, je suis un instrument. I'm a channel that God used. Je vais passer. I will pass away. Quelqu'un d'autre. Someone else. Il faut continuer à prêcher. We continue to preach. Mais Dieu. But God. Lui-même. Himself. Il ne passe pas. He doesn't pass away. Il est là. Il veille sur sa parole. He watches over his word. Celui-ci vient. Il a compris la portion de sa parole. He fulfills the portion of his word. L'autre passe away. Il a compris. Il passe. He fulfills the portion of the word and pass away. But he. Le propriétaire de l'église. The owner of the church. Amen. Le propriétaire. The owner of the church. Il ne passe pas. He doesn't pass away. Amen. Il est là. He's there. Il demeure. He dwells. Il nous rappelle. Il a envoyé un prophète. He sent a prophet. Pour prendre nos cœurs, les cœurs des enfants. The heart of the children. Ramener ça au cœur de leur père. To bring it back to the heart of their fathers. Nos cœurs. Our heart. Qui était dans les coutumes. We're in customs. On se disait. We used to say. Especially nous les Africains. Especially we Africans. On dit ah chez nous dans notre coutume. In our custom. Avec beaucoup d'Africains. With a lot of Africans. Quand je parle avec beaucoup d'Africains. When I talk with a lot of Africans. Ils parlent beaucoup de coutumes. They talk a lot about customs. Non. Oh no. Dans notre coutume. You know in our custom. On ne fait pas ça. We don't do this. Nous n'avons pas de coutume. We don't have custom. Notre coutume. Our custom. C'est ça. Is this. Amen. C'est ça notre coutume. That is our custom. Quand vous vous liez aux coutumes des hommes. When you link to men's customs. Ce sont les vanités. They are vanities. Les vanités. Vanity. La terre. The earth. Le ciel. Heaven will pass away. Mais cette parole. But this word. Demeure. Remains. Amen. Ça ne va jamais passer. It will never pass away. Nous avons lu ça à Matthieu. We read it in Matthew. Le ciel et la terre passeront. Heaven and earth will pass away. Mais mes paroles ne passeront jamais. But my words will never pass away. La parole de Dieu. The word of God. Dieu ne ment pas. God does not lie. Il ne ment pas. He doesn't lie. Sortir. Coming out of. Sortir. Coming out of. De l'idolâtrie. Idolatry. Nous, tellement que, avec, je peux dire nous, avec les Asiatiques. We with Asians. Dans nos coutumes ancestrales. In our ancestral customs. On a toujours tendance à fabriquer quelque chose pour adorer. We tend to
to set up a statue to worship. Écoutez, listen. Et quand nous faisons ces choses-là, and when we do those things, ça nous attire toujours. It always attracts us. On dit bon, ça c'est ça mon Dieu. This is my God. Tu prends ça. You take a little. Tu dis, you take it. Mon Dieu qui me protège. This is my God protecting me. Tu as la chaînette. You have a bracelet. Tu dis, ah, ça c'est mon Dieu qui this me protège. Is my God protecting me. Ou une corde que tu as déjà mis à ton bras ou à ton pied. Or a lacet that you put on your hand or on your feet. Tu dis ça c'est pour me protéger. This is to protect myself. Écoutez ce que la parole dit. Listen what the Bible says. The word of God says. Jeremiah chapter 10. Écoutez. Listen. Jeremiah 10. Le verset à partir du premier verset. From the first verse. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Hear what the Lord says to you, O house of Israel. Je peux dire, am I say? Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, Église de Boston. Am I say? Hear what the Lord says to you, O Church of Boston. Pas Église. Not the church. Je recommence. I restart. Écoutez. Hear. Les paroles que l'Éternel vous adresse. Tabernacle chrétien de Boston. While the Lord says to you, O Christian Tabernacle of Boston. Ainsi parle l'Éternel. This is what the Lord says. N'imitez pas les voies des nations. Amen. Do not learn the ways of the nations. On ne doit pas imiter les voies des nations. You don't have to learn the ways of nations. Oh, mes amis font ça. Oh, my friends do this. I'll do this. Oh, mes frères font ça. Oh, my brothers do this. And non. I want to do this. N'imitez pas. Do not learn. Oh, dans telle église, on fait ça. That church, they do this. No. Ce n'est pas la parole de if Dieu. If it's not the word of God, on ne doit pas imiter. You don't have to imitate. Ce n'est pas correct. It's not correct. Pourquoi imiter? Why do you have to imitate? N'imitez pas les voies des nations. Do not learn the ways of the nations. Les voies des nations. The ways of the nations. Amen à la mort. Bring to death. Mais les voies de Dieu. But God's ways. Amen à la vie. Bring to life. Amen. N'imitez pas les voies des nations. Do not learn from the ways of nations. Et ne craignez pas les signes du ciel. Amen. Oh, be terrified by the signs in the sky. Oh, regarde dans le ciel. Oh, look in the sky. Il y a des nuages qui font des signes. Clouds that do this. Maintenant, nous allons mourir. Now we're gonna die. Ne craignez pas. Do not fear. La Bible dit. The Bible says. Ne craignez pas. Do not fear. Des fois. Sometimes. Comme il fait chaud. As it's hot. Vers le soir. So where the view vous êtes ici à côté à l'océan ici. When you are next quand to the ocean. Quand vous regardez là très loin. If you see far far away, vous pouvez voir une représentation d'image. You might see a representation of image. Au coucher du soleil. At the sunset. Vous allez voir une représentation d'image. You will see a representation of a certain image. Il ne faut pas avoir peur. Don't be afraid. Même si vous voyez une représentation d'un homme. Even if you see a representation of a man. Il y a des photos. There is pictures. Qu'on envoie. That they send. Dans les groupes WhatsApp. In WhatsApp groups. On dit, oh, on a photographié ça. They pictured this. Mais ça, c'est ce qui s'est passé dans what happened in such dans country, in heavens. Les gens commencent à trembler. People are terrified. Donc, nous allons mourir. It means we're gonna die. Qu'est-ce que la Bible dit? What does the Bible say? Qu'est-ce que la Bible dit? What does the Bible say? Ne craignez point. Ne craignez pas les signes du ciel. Do not be terrified by the signs of the sky. Pourquoi? Why? Parce que les nations les craignent. Though the nations are terrified by them. Notre Dieu. Our God. Il est bon. Amen. It's good. Il a dit ne craignez pas. He said, do not be terrified. Why? Les nations craignent. The nations are terrified by them. Si toi tu crains, if you are terrified, il faut regarder. You have to look ton expérience avec your experience with God.
C'est lui qui croit en Dieu. He who believes in God. Le vrai Dieu. The true God. He cannot fear. Amen. Il peut y avoir des images là. Images. Je ne crains pas. I shall not fear. Je vais vous dire. I'll tell you. Un jour. One day. Je suis parti au champ. I went at a farm. Avec ma grand-mère. With my grandma. Elle m'a dit. Bon, she told me. Nuit, at night time. J'étais en vacances. I was in avec on mon grand-père et ma grand-mère. And my grandfather. On s'est refait ces mal la nuit comme ça. Just donc la nuit, moi je dormais. In at night time, I was sleeping. On était avec son ami là-bas. We were with her friend. Le grand-père est rentré au centre-ville. Moi je suis resté au champ. Went back to town and then I went to the farm. Moi je suis resté au champ. I stayed to the farm. Avec at the farm. La grand-mère et son ami. The grandma and her friend. Bon, moi j'ai dormi. J'étais un chrétien. I was a Christian. Avant de dormir. I'm a Christian. Before I sleep. On nous dit, nous allons prier. They tell us we're gonna pray. Nous avons prié. We prayed. Nous nous sommes endormis. We slept. Et au courant de durant la nuit. And during the night. Moi, je dors un peu. I sleep. Je suis chrétien. In peace. I'm a Christian. Je sens seulement quelqu'un venir me réveiller. I just feel someone comes and wake me up. Réveille-toi. Kelly, wake up. Je regarde. Je me réveille, je regarde. Je vois la grand-mère. I see a grandma. Elle me dit, réveille-toi. My grandma. She tells me, come and see, come up. Je me réveille. When I woke up, elle me dit, she told me, viens, on est sorti. We went out. Il y avait la lune. There was moon. Elle me dit, regarde là-bas. Look over there. C'était sur la montagne. It was on the mountain. Je regarde. When I looked, je vois un feu. I saw en train de, like, a fire. De créer des shapes. A fire making some shapes. Et elle me dit. And she told me. Tu as vu ça? Did you see that? J'ai dit oui, j'ai vu. I said yes, I saw that. Elle me dit. C'est mon ami là qui est dans la maison qui est en train de faire ça. It's my friend in the house doing that. Moi je me suis dit, ah! I said, ton ami! Your friend! Ton ami laisse ton ami dort! Your friend is sleeping. Non, c'est elle! No, it's her doing that. Je lui ai dit. I told her. Tu ne sais pas que là-bas il y a les scouts? Don't you know that there are scouts over there? Les gens sont en train de camper là-bas. People are camping there. Oh non, c'est mon ami ici. It's my friend. Tu ne vas jamais me convaincre. We never convince tu n'entends me. Même pas les voix. You won't even hear, don't you even hear voices? Non, malgré les voix. Despite malgré les voix qui retentissaient là-bas. Despite the voice that were resonating over there. Elle pour elle. For her. C'était son ami. That was her friend doing that. En train de faire des choses. Playing with things, fire. Moi j'ai dit. Comment est-ce que tu crois des choses pareilles? How can you believe such things? Comment? How come? Les choses que elles craignent. Things that they nous they les fear. We Christians we cannot fear them. Si j'avais peur. If I was le afraid. Le devil pouvait m'avoir. The devil would have gotten me. Mais quand je lui ai dit non, ce sont the people. Qui se sont fait. Moi je vois les gens qui sont là-bas. People are there doing that. Très loin. Moi j'entends les cas. I hear voices. J'entends comme des voix. I hear voices. C'est en pousse. It's in the farm. Oh, this is my friend doing that. C'est parce qu'elle est dans le monde. Because she's in the world. Mais moi, but me, je vis dans le monde. I live in the world. Mais je ne suis pas de ce monde. But I'm not of the world. Je suis en Christ. I'm in Christ. Et j'attends ma rédemption. And I'm waiting for my redemption. Pourquoi craindre? Why? La parole de Dieu dit. The word of God says. Ne craignez pas les signes du ciel. Do not fear the signs of heaven. Parce que les nations les craignent. For the nations are terrified by them. Quand ils craignent. They are terrified by them. Quand ils craignent, il n'y a pas de problème. If they fear them, okay. Moi, je dis gloire à Dieu. I say glory to God. La parole s'accomplit. The word of God is being fulfilled. Quand quelqu'un craint des choses. If a man fears something. Il ne faut pas dire. Do not say. C'est un païen. He's a pagan. Non. Il accomplit la parole de Dieu. He is fulfilling the word of God. Et nous. And we, pour accomplir la parole de Dieu, order to fulfill the word of God, pas craindre. We cannot fear. Dieu nous demande de ne pas craindre. We don't have to fear. God is asking us not to fear.
Oh non, frère, moi j'ai peur. Oh brother, I'm afraid. Quand tu as peur, if you're afraid, c'est alors que les choses vont t'arriver. That's when things will happen. C'est que tu crois que ça va t'arriver. What you fear, that's what will happen to you. Écoutez. Listen up. Le verset 3. Car 4. Les coutumes des peuples ne sont que vanité. Amen. For the customs of the people are worthless. Peut-être au village. Maybe in a village. La grandma, peut-être on l'avait dit au village. Grandma, quand tu vois ça, if you see that, c'est quelqu'un qui est en train de. Someone is doing that. D'ensorceler les autres. Witches. Bewitching people. Peut-être c'est ça. It might be that. Non. Moi, je ne crains pas. La Bible dit. Les coutumes des peuples. The customs of the people are worthless. C'est vanité. It's worthless. Quand on vient vous dire des choses pareilles, je dis ça, ce sont des vanités. It's worthless. Mais quand tu prends ça, tu dis. But when you take it too hot. Donc ça risque de m'arriver aussi. It might happen to me as well. Ça doit arriver. It might happen. Lui n'est pas en Christ. Mais toi, tu es en Christ. Pourquoi tu crains? You're not in Christ. Why you are in Christ? Why do you fear? Lui, il est à l'extérieur. Toi, tu es dans la clôture. Avant que les animaux sauvages viennent t'attraper, il faut qu'ils sortent la clôture. Before the wild animals come, they have to jump the fence. Mais lui, il est à l'extérieur. But les animaux vont jouer avec lui. The wild animals will play around with him. Mais toi, en sécurité. But you are in security. La sécurité que nous avons. The security we have. C'est en Jésus Christ. It's in Jesus Christ. Amen. Pourquoi craindre? Why fear? Pourquoi? Why? Oh non. Quand nous sommes à l'école. When we are in school. Il y a un monsieur, une dame, en train de faire des magies pareilles, tout ça. There is a miss doing magic and everything is worthless. Si ils étaient réellement des magiciens, if they're real magicians, des gens qui pouvaient faire des choses, les choses arrivent. Things and they happen. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas des millionnaires? Why aren't they millionaires? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas des millionnaires? Why aren't they billionaires? Pour créer des choses, pour créer l'argent. To create money. Et qu'ils aient beaucoup d'argent. In order for them to have money. Mais quand tu parles là-bas, ils disent donne-moi l'argent pour give me money, so he does this. Non. No. La Bible nous dit. The Bible tells us. Les coutumes des peuples. People. Ne sont que vanité. Are worthless. Continue. Keep going. On coupe le bois. They cut it dans la forêt. Out of the forest. Comme on a coupé ce bois ici. And they cut this wood. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. And a craftsman shapes it with his chisel. La main de l'ouvrier a pris la hache comme ça. The craftsman took and shapes the tree. La main de l'ouvrier. The hand of the craftsman. Et l'embellit. Et l'on l'embellit avec de l'argent et de l'or. They adorn it with silver and gold. Tu vois, l'argent et l'or. Silver and gold. Des fois, on peut peindre ça comme ceci. They might paint it. Ou soit, on peut mettre comme des chaînettes d'argent, tout ça, des objets like d'argent necklaces, et de or, objects, et d'or. Things, in golden things. On les fixe avec des clous. They fasten it with hammer et des marteaux and nails. Donc ce qu'il a fabriqué. So what on fixe maintenant avec les clous. They fasten it with hammer avec and nails. Marteaux. Hammers and nails. Écoutez. Listen. Pour qu'il ne branle pas. So it won't totter. Les hommes. Men. Non. Non. Écoutez le verset 5. Verse 5. Ces dieux sont comme une colonne massive. Et il ne parle point. Like a scarecrow in a melon patch, their idols cannot speak. Il ne parle point. They cannot speak. C'est comme ce photo ici. Like this
razor. Ça ne parle pas. It doesn't talk. La Bible dit. The Bible says. On les taille. They shape it. On les transforme. Ne parle pas. Écoutez. They transform it. They don't speak. Listen. On les porte. Le verset 5. On les porte. Comme je porte ce fauteuil. They must carry them. They must be carried. Parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Because they cannot walk. Ne les craignez pas. Amen. Do not fear them. Car ils ne sauraient pas faire, ils ne sauraient faire aucun mal. Amen. Do not fear them. They can do no harm. Et ils sont incapables de faire le bien. Nor can they do any good. Ils sont incapables. Comme ce photo ici. Like si je laisse ça ici. If I leave over there. Est-ce que ce photo ici peut me suivre ici? Can this eraser follow me here? Non. Non. Il ne faut pas craindre ces choses-là. Do not fear those things. Il ne faut pas. Do not fear. Il faut sortir de ces choses-là. How to come out of those things. Des dénominations. Of denominations. Oh, on te donne un livre de magie. Give you a book, a magic book. À l'école. Comme ici, il y a beaucoup de magie. On te donne un livre de magie, on dit, lis première page, deuxième, troisième, pourquoi lire ces choses? Why do you have to read those things? Tu n'as pas d'autres livres pour lire? Don't you have any other books to read? Si tu n'as pas de livres, prends la Bible et lis. Take the Bible and read. Pourquoi lire ça? Why read that? La parole de Dieu. The word of God. Dieu nous dit. God tells us. De quitter. To come out. Quitter. Come out. Leave. Des dénominations. Denominations. Pour faire quoi? To do what? Toi, tu crées d'abord ce fauteuil ici. You create the eraser. Tu dis ça, c'est ça mon Dieu. This is my God. Mais Dieu, God, c'est un Dieu jaloux. Is a jealous God. Notre Dieu, our God, il est vraiment jaloux. Is really jealous. Ce n'est pas un Dieu qui veut partager sa gloire. It's not a God who wants to share His glory. Il veut que nous puissions l'honorer. He wants us to honor Him. Pourquoi il nous parle? That's why He talks to us. De quitter. To come out. On quitte. We come out. Et on l'honore. And we honor Him. On va l'honorer comment? How are we going to honor Him? Matthieu. 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 Matthieu 6. Matthieu 6. La parole de Dieu. The word of God. Elle est merveilleuse. It's wonderful. Matthieu. Matthieu. Matthieu 15. Matthieu 15. Matthieu 15. Matthieu 15. Écoutez. Matthieu 15, le verset 6. Matthieu 15, verse 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Matthieu 15. Le verset 15. Le verset 6. Verse 6. Ça doit être 7 ou 5 en anglais. Is not to honor his father with it. Non, ça c'est le verset 4. Descends. Okay. Thus you nullify the word of God for the sake of your tradition. Vous annulez. You nullify. Ainsi la parole de Dieu. Thus you nullify the word of God for the sake of your tradition. Vos traditions. Your tradition. Missela. Traditions. Vous annulez. You nullify. Hypocrite. You hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous. You hypocrite. Isaiah was right when he prophesied quand about dit, you. Quand il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Isaiah avait prophétisé. Isaiah prophesied. Que ce peuple ici. That these people. Honor des lèvres. They honor me with their lips. Ces lèvres sont ici. Your mais lips are pensé. Here. By your thoughts. Parti. Gone. Tu
suis chrétien. So I'm a Christian. Chaque fois qu'on te dit frère, every time they tu as simplement avec courage. You, oh, je suis frère. On t'appelle sœur. Oh, je suis ma sister. Je suis la sœur aussi. Yeah, I'm a sister as well. Mais donc, by your heart, rien de frère ou de sœur. Nothing of a brother or a sister. Ce peuple, these mon people, nom des lèvres, they honor me with their lips. Oh, je suis chrétien. I'm a Christian. C'est mal les lèvres. Only by the, your lips. Mais à l'intérieur, rien. Yeah. But inside, nothing. Non. No. Ce peuple, mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements des hommes. They worship me in vain. Their teachings are but rules taught by men. Ce sont mis là. Rules, customs. Ce sont des choses des hommes. They are men's customs. Mais, but Dieu, God, veut que wants nous puissions retourner dans sa parole. Us to come back to his in his word. Que nous soyons attachés à sa parole. May be attached to his word. Parce que nous attachons pas à sa parole. If we are attached to his word, nous attachons aux coutumes. If we don't attach to his word, we attach ourselves to customs. Tu dis, oh, moi je m'attache à la parole de Dieu. I attach myself to the word of God. Quand on regarde ta vie, but when they look at your life, on dit, ah, celui-ci aussi c'est l'église de Dieu. This one is part of the church of God as well. Il dit, moi je suis l'église de Dieu. Oh, I'm the church of God. Dieu m'a appelé à sortir. God called me to come out. Et tu sors toujours. Tu vis la vie de celle que tu étais. You still have the your ancient life. Quand on sort, your past life. When même we come out, on vient du Congo. Even when we come from Congo, le comportement qu'on avait au Congo. The behavior we had in Congo. On n'a plus le même comportement. We don't have ici, the same behavior that we have in the United Pourquoi? States. Why? Parce que le Congo a des règles différentes des États-Unis. They have different rules from the Et States. Quand vous quittez le monde world, pour entrer en Christ, il y a des règles différentes. There are different rules. Nous devons voir cela. We must see that. Ces règles là. Those rules. C'est différent. Different. Tu peux pas dire non moi je pense que je suis congolais. Je vais appliquer ce que j'avais au Congo. I'm in Congo. Non. Non, ça ne marche pas comme ça. It won't work that way. They will arrest you. Et Dieu. And God. Ne veut pas que nous puissions être dans ces traditions. It doesn't want us to be in the tradition. Et il veut. And he wants que nous puissions l'adorer dans la vérité. To worship him in the truth. La vérité c'est quoi? What is the truth? Nous allons it is word. Let's read in John. Nous allons lire la dernière écriture. The last scripture. Jean 4. John 4. Jean 4. John 4. Le verset 23. Verse 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For they are the kind of worshippers the Father seeks. L'adorer en vérité. Worship him in truth. Nous avons dit, qu'est-ce que la vérité? What is the truth? C'est Jésus, qu'est-ce qui est la vérité? Jesus Christ was the truth. Je suis le chemin. I am the way. La vie est la vérité. Life and the truth. Nous devons l'adorer. We must worship him. En esprit. In spirit. Moi, je suis un fils de Dieu. I'm a son of God. Et en vérité. And in truth. La vérité. The truth. Jean 14. John 14. Jean 14, le verset 6. John 14, verse 6. Jean 14. John 14. Qu'est-ce que la vérité? What is the truth? Jésus leur dit.
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. I am the way and the truth and the life. Tu cherches la vérité. Looking for Jésus-Christ est la vérité. Jesus is the tu truth. Veux adorer you wanna dans worship la vérité. In donc the tu truth, adores Jésus-Christ. Meaning you worship Jesus Christ. Mais si tu n'adores, tu as encore des coutumes. If you still have customs, tu as encore dans des dénominations. You're still in denominations. Oh, moi, c'est d'abord les archbishops doivent parler. Oh, moi, c'est mon pasteur qui doit parler. Pastor, non! Un homme ne doit pas parler. Jésus-Christ doit Jesus parler. Pastor. Amen. Jésus-Christ doit parler. Jesus must talk. Quand Jésus-Christ parle, nous tous nous alignons. We all mais quand un homme parle, but when a man talks, on ramène ça à la parole. We bring it back to the word. Amen. Est-ce que c'est conforme à la parole? Is it conforme si c'est conforme word? À la parole, it is, à Dieu. Glory to je God. Prends ça. I take it. Mais si c'est pas conforme if à la parole, je jette ça. I reject it. Amen. C'est ça. That is it. On nous a appelé à sortir. They called us to come out. L'église. From the church. Nous sortons. Out of the church. We come out of the church. Nous sortons. We come out. Pour aller où? Where do we go? Nous allons continuer demain. We'll continue tomorrow. The Lord. Et le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Amen. Nous allons mettre debout. We may stand up. Et nous allons prier. And we are going to pray. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, tu requiers le respect. Et le respect à l'égard de ton Église et à l'égard de ta parole sont d'une importance incontournable. Respecter ta parole revient à te respecter, toi Dieu, car, comme tu nous l'as dit plusieurs fois, toi, Dieu, et ta parole, il n'y a pas moyen de dissocier les deux. Tu es ta parole. Et tu as versé ton esprit dans ton Église. Et nous, en tant qu'Église, Seigneur, nous, en tant que membres du corps de Christ, nous héritons de respecter ta parole et de respecter ton Église et ton peuple.
Nous te prions de nous pardonner partout où nous avons été irrespectueux à l'égard de ta parole et à l'égard de ton Église. Rends-nous humbles, Seigneur. Réveille l'esprit de chacun de nous, afin que nous réalisions tous que tu n'es pas seulement tout près, mais tu es à la porte, Seigneur. Permets que nous soyons prêts pour l'enlèvement. Le respect à ta parole nous conduira toujours à l'obéissance et dans le baptême du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, assiste-nous. Bénis le vase que tu as utilisé. Puisse le fortifier. Et quand tu le béniras, Seigneur, n'oublie pas de nous bénir également. Amen. Seigneur, merci. Bénis la soirée. Permets que nous méditions sur cette parole. Et si tu nous donneras la journée de demain et que tu conduirais non pas jusque dans ta maison, nous glorifierons ton nom. Amen. Merci infiniment. À toi la gloire et l'honneur. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. We are at the end of our service. Dieu voulant. God's willing. Nous allons nous retrouver demain. We will meet tomorrow. À partir de 8h. From 8:30. Nous allons prendre. Let's take. Un collection de chant de victoire. One chant de victoire. Grand Dieu, nous te bénissons. Mon
l'éternel. Alléluia. Oui, sois l'éternel. Alléluia. Oui, sois l'éternel. Alléluia. Oui, sois l'éternel. Alléluia. Alléluia, louez soit l'éternel.